carnet rose pour Grégoire Margoton. En effet, le journaliste sportif est devenu père pour la cinquième fois. Découvrez tous les détails. Cela fait quelques jours que la famille Margoton a accueilli un nouveau membre. Si la nouvelle AVD, à bord est annoncée par Vixen Lizarazu, mardi 15 juin 2021, Grégoire l'a officialise en publiant une adorable photo d'elle, sur son compte Twitter. Un heureux père de famille à part le fait d'être un journaliste de vous, Grégoire Margoton est également un père de famille comble. À 52 ans, le compère de Vixen Lizarazu est père de 5 enfants, dont d'une de sa relation avec sa précédente compagne. Grégoire Margoton, 20 septembre 2009, PSG Lyon, 6e journée de Ligue 1, Parc des Princes, Paris. Photo, Getty Images. Grégoire et sa compagne sont les plus heureux du monde. Discrets sur leur vie privée, les deux tourtereaux viennent d'accueillir leur 3e enfant ensemble. En effet, le journaliste a bien réussi à cacher son jeu lorsque il avait caché la 3e grossesse de la femme de sa vie. Quoique, il en soit, c'était avec grand plaisir qu'il a annoncé la naissance de son enfant, qui avouerait être une fille, le mardi 15 juin 2021, même si la bonne nouvelle a déjà été dévoilée par son complice Vixen Lizarazu. Un journaliste sportif de vous qui ne connaît pas le célèbre journaliste sportif de TF1. Étant fan du sport, Grégoire Margoton joue un rôle important sur la chaîne. En effet, le vendredi 11 juin 2021, le quinquagénaire a été chargé de commenter le premier match de l'Euro opposant la Turquie à l'Italie. C'était ailleurs aux côtés de elle, ancien footballeur international Vixen Lizarazu. Il a fait ses commentaires. Grégoire Margoton. Photo, Getty Images. Pour la petite histoire, le père de 5 enfants a 2 buts sur Canal, comme stagiaire. Celui-ci a réussi à trouver sa place et est devenu un brillant commentateur. Sa voix est d'ailleurs très connue des joueurs de pro. Et était en 2016 qu'il a rejoint elle, équipe de la TF1. Le fils de Vixen Lizarazu. Vixen Lizarazu est père de 2 enfants. Fils de Simista qui lui ressemble beaucoup est entrepreneur. Découvrez tous les détails. Abonnez-vous à Momam sur Google News.